Salut tout le monde, c'est Taizo, on se retrouve pour le 10e épisode sur le Let's Play de Call of Duty Black Ops 1 sur PC. Donc on va aller voir ensemble où on s'est arrêté. Donc campagne, choix de la mission. On s'est arrêté à la mission site du crash. Donc je vais vous lire le synopsis. Remonter la rivière du Laos pour trouver la base de Drakovic. Et on avait terminé précédemment la mission Victor Charlie. Donc juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Vous connaissez la musique pour soutenir la chaîne, je vous remercie. Activez la cloche si vous ne voulez pas rater d'épisode et être notifié, comme là maintenant. Et si vous cliquez juste ici, au-dessus de ma tête, en haut à droite sur le petit i, vous allez apercevoir d'autres playlists que je vous recommande d'aller voir, dont celles de Pacify, PUBG et Star Wars Battlefront 2, qui sont plutôt pas mal. Ce sont des best-of, pardon, il est en train de me couper la parole, ferme-la. Ce sont des best-of et c'est les meilleurs. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit et bref, nous on va continuer notre aventure, c'est parti. Let's go. Allez, je pense que là il y a une cinématique là. Ça. Oula. Oh, les flashs là. C'est vrai que ça nous change des briefings qu'on avait de base avec. Voilà, on va faire deux là. Tu as confirmé que le second de Dragovic, Kravchenko, opérait bien au Laos. Ouais. D'après Reznov, ils ont tué un nombre incroyable de gens. Écoute-moi attentivement, Mason. Reznov n'est pas fiable. Peu importe ce qu'il dit. Peu importe ce qu'il fait. Mais c'est lui qui nous a donné Clark. Il nous a conduit au Nova 6. Reznov n'est pas celui que tu crois. Non, c'est mon ami. Il m'a aidé à m'enfuir. Trahi. Oublié. Abandonné. Tous frères. Oublie Reznov. Allez, Mason. On n'a plus le temps de déconner. Le monde est au bord du gouffre. Quel gouffre? On est en train de péter un câble. J'entends tout le temps ces nombres. C'est une diffusion, Mason. Les nombres sont diffusés. Oh là là. On t'a lavé le cerveau. C'est un bordel pas possible. Là, elle est en train de se rendre compte que là, elle est en train de le laver le cerveau. Oula. Ok, guerre froide, ok. Krakovic. Cambodge, Vietnam, Thaïlande. Ok. Je vais le tuer. Vous comprenez ça? Je dois tous les tuer. Huston. Russie. Ça c'était Kravchenko ça. Laos. Nova 6 carrière. Détruit, ok. Donc l'avion du Nova 6 a été détruit, ok. C'est plutôt cool, pas se mentir, une bonne nouvelle. J'entends des nombres. Ah, même s'il a été utilisé de base. Oula. Là, le briefing il a été assez rapide, donc là c'est sûr qu'on va incarner Mason. Mais pour quelle mission je sais pas du tout. Avion cargo commercial soviétique abattu au-dessus du Laos. Mason et l'équipe Ghost sont chargés de récupérer le Nova 6 dans les décombres. D'accord, ok. Faut qu'on mette la main sur le Nova 6 avant que les Russes ne nettoient tout ça. Bien, wow. C'est parti. Ah ouais. Ah ouais, ça rigole pas là. Elle prend des photos là. Oui, 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 oui. C'est à nous, on y va. Ok. On a ça comme arme, on a le commando et le fusil à pompe. Hein, pas réussi. Hop. Prends le canon, ne fais pas tuer. Monsieur. D'accord. DM-202, Bowman, pas à tribord, Arnold. Ok. Mason, tu pilotes. Ok, je pilote. Let's go, c'est parti. Wow. Ah ok, on conduit un bateau là maintenant. Ok, donc la souris de gauche me permet de tirer à la M60 là, enfin la mitrailleuse. Et la souris de droite, la touche de droite de la souris, ça me permet de tirer des missiles. Wow. On va essayer de pas toucher les poteaux là. Oh, je crois qu'il y a du monde là-bas. Attends, attends, attends. Pousse-toi. Ça, vous voyez, il se met devant moi, super. Cache de. Ok, on va tous les avoir. Cache de. Ok, on va détruire. Ok, il y a des mortiers là qui nous tirent dessus là. Ok, je l'ai eu. Essaye de zoomer. Tire à l'avance un peu. Ok, je l'ai eu. Ok, je l'ai vu. On va essayer de tout détruire là.
Voilà, on rase un peu tout ça là. Ok. Il y a du monde encore. On va essayer de tout raser là. Il y a une maison là-bas aussi. Ok, je l'ai eu. Qu'est-ce qu'on fait là maintenant? C'est bon? Okay. Wow! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Wow! Allez, on détruit la porte, c'est ça? Hey! Plutôt bien fait, on va essayer de pas toucher les poteaux là, ici là. Ils sont juste devant moi en bateau là, c'est un peu relou ça. Mais, du coup, on est mélangé, ça c'est un peu relou. C'est pas apprécié les missiles là, par contre. Ah, bien joué. Là, vous avez vu là, ça m'a percute là. Oula, pardon, pardon. Ok. Je l'ai eu. Ok, ça je l'ai eu. Oh, il a eu notre poteau. Oui. Je pense que ça, c'était prévu. On va essayer de tous les avoir. Oh là là, le carnage. Ouais, c'est ce que je fais, t'inquiète pas, je t'inquiète pas. Ok, je l'ai mis. Oh là là. Ça va me tirer à droite aussi, là. C'est bon, je crois. On tourne à droite. Ok, oui, je l'ai eu. Moi je détruis tout, hein. Franchement, je vais pas vous mentir, je détruis tout, comme ça on est sûr, les gars vont buter tout le monde. Allez, allez, pète, pète, pète. Il y a des mecs ici, là. Tout le monde, il y a des mecs. Ah, pardon, 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 pour les poteaux. Allez. Ouais, ouais, c'est ce que je fais. Attends, attends, il y a des mecs en bateau, là. Ok, on a eu le bateau. Ok, j'ai eu. Il vise bien. On va tout détruire sur notre passage. On va laisser aucune chance, aucun répit. Que dalle. Il y a des bateaux là, il est. Ok, j'ai eu. Oh, combien c'est envolé. Ok, on a deux points ici là. Il y a les PNJ qui tirent avec moi. Hein. Ils sont pas beaucoup, je crois. Ok, on les a eu. Ouh, il y a un petit flash là. Je sais pas si vous avez vu. Ok, oula. Il y a un torpilleur ennemi là. On va essayer de l'avoir. On essaie de l'avoir, le torpilleur. On l'a eu, on l'a eu. Yes. On a fumé. Oula, il a eu notre poteau. Ah merde. Oh non. Ce gamin y est resté. Ouais. Je peux vous jurer que Woods pleurait. Mais il a jamais montré une larme. Ah ouais, chaud. Ça va pas être facile, hein. Wow. Et on continue là. Oula, il y a un hélicoptère ici, fait. Ah, voir, là. Ouais. C'est plutôt bien fait pour 2010. Oh, il y a des animaux. Plutôt cool, hein. L'avion doit être tout prêt, mon sel. Il y a Res 9 qui parle, là. Hélicoptère. En train de chercher des traces. Ah ouais? Ok, on va continuer. On est en mode exploration là. Oula. Kravchenko, il doit être dans le coin. J'espère bien. Ok. Rien trouvé, droit devant. Wow. Ah ouais. Vous avez vu là-bas là, c'est là-bas. Oh oui, oui. Pas de soucis, ça marche. On va aller. Par contre, ça a ralenti le bateau là, je sais pas pourquoi. Ok. Ah ouais, c'est là. C'est chaud quand même ce qui s'est passé là. Avec vous, chef. Que voulez-vous? Que l'un de vos hommes garde le bateau. Quant aux autres, vous me suivez. Allez. Ok, let's go, c'est parti. On avait tout ça comme arme. Oh, wow. Ah voilà, c'est chaud là ce qui va se passer là. Oh. Ça, ça me rappelle Brûlatoire. Je sais pas si ça vous rappelle Brûlatoire, mais ça me rappelle beaucoup Brûlatoire. On va faire comme d'habitude, vous connaissez la technique avec moi.
lance une grenade. On va lancer une flash même. Hop, une petite flash. Hop là, c'est parti. Lui, c'est en pleine tête, lui. Je l'ai mis. Et lui, il me tire au fusil à pompe alors qu'il est à 15 km de moi. Lancer une flash. Oh. Ouf. Oh, bien rouge. Ah ouais, j'étais à la commande, elle est incroyable. Ok, là on est cool. Hein. Je l'ai. Hop là, il est tombé. Ah, ça me rappelle grave World at War. Vous voyez, il y a encore des mécaniques qui sont utilisées dans World at War. Hein. Oh là là, j'en charge. Pardon, désolé, c'était juste pour vider mon chargeur. Continue. Ok, on va lancer une flash. Hop là, je vais garder le côté. Un petit tir au poteau. Je vois personne. Wow! Oh, wow, wow! Oh, c'est des hélicoptères russes. Mais non. Donc ça veut dire qu'ils savaient qu'on était là. Ok, il y en avait un, je l'ai vu. On va lancer des grenades. Ah, mais là, il y a des russes là maintenant, là, c'est pas la même chose là. Pas le même délire là. Bah oui, là c'est pas le même délire du tout. On peut pas avoir l'hélicoptère là. Ah, les enfoirés. Ah, c'est une flash. Hop, là c'est une flash. Hop, je regarde pas. Ça va me tuer les yeux là. C'est cool de se battre dans la végétation comme ça. Ça change de gameplay d'habitude. Donc là c'est des Russes contre les Viettes. Les Vietcong, je crois, si je me trompe pas. Donc là c'est les Spetsnaz. Donc c'est le même équipement qu'ils avaient tout à l'heure là. Dans la mission, ils avaient. C'était battu déjà contre eux là. En pleine tête, oui, celle-là. À vérifier qu'ils sont bien morts. Hein. À récupérer des munitions aussi. Ouais, des grenades et tout. Vas-y, gars, on continue. Hein. Je sais pas, ils sont où. Ah, ils sont là. Ils ont pris de l'avance. Je l'ai. Allez, descend de là, toi. Ah, ça me fume parce qu'il y a une technique. Mais... Oh, ça fait des roulades et tout. Qu'est-ce qui s'est passé là? Toi, je t'ai mis. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? J'étais un ouf, ouf, toi. Oula! Et ouais, poteau. Wow. Oh! Les transporter du Nova 6. Ouais. Shenko se serait pas pris la tête pour rien. On a grimpé ça là. Oula! Oh, 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 oh! Il passe devant, ok. Wow! Oh, je suis tombé, je suis tombé! Bah attends, c'était pas prévu ça. C'était pas prévu que je tombe par contre. Ok. Ok, une grenade qui a explosé ici. Du Nova 6. Pavchenko se serait pas pris la tête pour rien. Je passe devant. Ok, je passe devant. Ok, donc on va essayer de bien rester au milieu de l'aile. Un peu bizarre parce que... Oh, 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 oh. Là, faut plus bouger. Ok. Je suis tombé comme du caca tout à l'heure. Ok, je monte au-dessus. Ok. Il se passe quoi là maintenant? Ok, on descend par là. Ok. Je passe devant du coup, hein, de ce que j'ai dit. Ok, oula. Ça sent le... Qu'est-ce qu'on fait là, c'est ça? Oula. Vous entendez le bruit? C'est passé. L'arme chimique. Nova 6. Ils ont dû être dispersés après le crash. Que trafic Cyrus avec les armes américaines. Ok. Sûrement un genre de coup monté. Nova 6 est parti, mais regardez, une carte de la région. Ça doit être la base de Kravchenko, en plein Laos. Kravchenko, il doit mourir. C'est bon, Messel. On y va. Ok. Du coup, on doit prendre le Channel 8, c'est ça? On n'est pas obligé, non, aussi? Bon, je pense que ça va nous servir, je pense. On va le prendre quand même. En bas, regardez! Ah ouais. Fusil de sniper. Mason, prends le channel egg. Ok. Ouais, c'est salaud droit, en fait. Ok, bah c'était prévu en fait. Ok, c'est parti. Ok. Ah, c'est une grenade. Recharge, j'avais déjà rechargé. Ok, je les ai eus. On va essayer de les avoir eux là. Hein, je recharge. Oula, ils ont laissé une flash là, je crois. Dès que je finis les munitions de channel egg. C'est lent, qu'est-ce que c'est lent le Channel Lake. J'aurais terminé une mission de Channel Lake, faudrait que j'enchaîne avec le sniper. Ok, je recharge. Est-ce que je peux avoir le bateau? Je me demande si je peux avoir le bateau. On va essayer de voir.
Oh, je l'ai eu. Le premier coup. Oulala, je vais tirer sur le truc là. Allez, allez, allez. Ouais, je l'ai eu aussi. Qu'est-ce que je fais? Là, il y a un hélicoptère. On va essayer de voir s'il stabilise. Oh, je l'ai eu. Je crois que je l'ai eu. Mais il nous a eu en premier, je crois. Oh, non, 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 non. La vue, c'est par deux. Faut vite qu'on se grouille, là. On va... Non, c'est mis dans un bourbier, pas possible. Qu'est-ce que vous faites? Wow. Ok, je crois qu'on s'est fait retrouver, là. Oui, 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 oui. Oh non! On est KO tous les trois là. Non, on s'est fait capturer par les spetnaz. Non, y a pas de munitions. J'ai pas de munitions, j'ai pas de munitions comme par hasard, j'ai pas de munitions. Ça vous rappelle pas on a un fardeau avec le Ghost et le Roach là. Kravchenko. Ça faisait longtemps, Mason. Mais... Il faut rattraper le temps perdu. T'es là, jeter la pomme sur. Oh! Et jeter la pomme sur. Et ben voilà, on a terminé la mission. Donc c'était plutôt stylé. Franchement, j'ai kiffé. Donc ça a été. Si j'ai bien compris, c'était dans la continuité de la mission Victor Charlie. Hein. Donc on a trouvé ce fameux Nova 6, l'avion, le site du crash. Pour une base de Dracovich, bah, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de base. En fait, ils nous ont tendu une embuscade. En fait, hélicoptère russe. Ils travaillent en coopération avec les Vietcong, si j'ai bien compris. Donc c'est pour ça qu'on a vu qu'on avait vu le China Lake, qu'on a utilisé pour se défendre. Et nous, on a réussi à faire, nous les Américains, on a réussi à faire une percée dans les retranchements de ce village, enfin de cette rivière. Donc on a rempli notre objectif, mais il est arrivé. On a fait un demi-tour slide, quoi, direct. On s'est fait rattraper par Kravchenko et Dracovich avec les Spetsnaz russes qu'on avait déjà combattu auparavant. Et là, du coup, là, on se retrouve à être capturé, je pense. Donc, je vais vous lire le synopsis suivant pour l'épisode prochain. ADM. Donc, frapper au cœur du projet Nova, loin derrière les lignes ennemies. Tout simplement. Donc, ça, ce sera pour le prochain épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, etc. Vous connaissez la musique pour soutenir la chaîne. Bon, en tout cas, moi, j'ai kiffé. Ça allait très bien. Moi, j'ai rien à dire. Mais c'était plutôt pas mal en termes de... Vous avez vu, hein, le Nova 6, en termes de comment on appelle ça, sur la peau, c'était hyper bien fait pour les années 2010. Hein. Ça, franchement, je suis bluffé. Franchement, j'ai kiffé le gameplay, il était propre. Les avions aussi, les animations. Je crois qu'on a réussi à voir au China Lake l'hélicoptère russe, là, tout à l'heure, à la fin. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain épisode qui arrive demain. Voilà, merci, ciao.